Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bon retour ou bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau. Et aujourd'hui, on va faire un room tour. C'est une des vidéos les plus demandées sur ma chaîne, je crois. Je suis ravie d'enfin vous la faire. J'avais fait du coup un room makeover début 2022. 2023, je sais toujours pas quelle année on est. Puisque en gros on a échangé toutes nos chambres avec mes parents et mon frère. Du coup j'ai hérité de la plus grande chambre qui était celle de mes parents. Du coup on a fait tous des travaux etc. Donc je vous mets la vidéo ici, ça vous pouvez aller checker. Et je vous ai fait un début de room tour, mais je voulais vraiment faire un room tour complet et éditer quand je serai enfin installée etc. Et je pensais que aujourd'hui serait le moment parfait. Donc voilà, let's go. Donc je vous fais un tour rapide de ma chambre, j'ai aucune idée combien de mètres carrés, combien de... Mais elle est grande, c'est le principal. Ouais, quand on rentre, ça résonne parce que je suis dans le couloir, mais ma chambre, voilà. Et quand on rentre, voici la vue générale en gros. Vous verrez qu'il y a pas mal de cache-misère, mais globalement, c'est plutôt bien rangé, je sais pas. Donc ma porte, je vais fermer tant qu'on y est. Et juste à côté, on a mon miroir qui est censé être accroché juste ici. Sauf que le cordon, en fait, il s'est déchiré juste ici, je sais pas si vous voyez. Donc j'ai plus qu'à en trouver un autre, à le fixer, etc. Et à l'accrocher. Mais pour l'instant, là, il est par terre. Du coup, je me vois vachement, quoi. C'est ça qui est bien. Ici, c'est des post-it avec des phrases inspirantes, motivantes, etc. Et ici, c'est l'espace bureau avec ici, waouh, esthétique, coloré, sympa. Et là, bam, le cache-misère. Donc mon bureau en lui-même, c'est juste un plateau qui est tenu par des équerres que vous voyez juste ici. Donc en fait, il est fixé au mur, voilà. Donc il n'y a pas de pied. Je pense qu'il va rester toute sa vie ici. Je le prendrai pas dans mon appart d'étudiante, donc ça va être trop compliqué. Et du coup, c'est bien parce que j'ai pu décider à quelle hauteur il était. Du coup, il est un peu plus haut que la moyenne. Et surtout, il est plus long. Il est pas mal large aussi. Enfin, bref, il est perfect. Là, on a ma collection de tote bag. Lui, mon sac de cours que j'ai acheté sur Vinted. Lui, c'est Kiabi, je crois. Lui, c'est Primark. La honte. Ma poubelle. Ouh, trop esthétique. Et mes valises. Enfin, mes valises. En fait, comme l'année dernière, j'étais à l'internat, si vous m'avez suivi, si vous me connaissez, c'est probablement grâce au blog internat. Du coup, bah, ma valise, je l'utilisais tout le temps et j'avais la flemme vraiment de la ranger dans un placard et tous les week-ends. Donc, je la mettais sous mon bureau et ça me convient parfaitement. C'est juste que j'aurais très bien pu la ranger cet été puisque je n'allais pas à l'internat cet été. Mais comme on est parti, puis après on est revenu, puis après je me suis dit « Ouais, mais non, je le ferai plus tard. » Et en fait, bah, maintenant, on est à quelques jours de la rentrée et comme je serai pas à l'internat mais chez mes grands-parents, je vais aussi utiliser ma valise, donc je vais pas la ranger. Mais du coup c'est la bleue que j'utilise et pas la noire, donc la noire faudrait que je la range, sauf que elle est plus grande, donc je vais probablement utiliser la première, les deux premières semaines pour amener tout et après j'utiliserai la bleue. En fait je sais même pas si je vais utiliser une valise, en soit je peux prendre des sacs et tout, c'est pas gênant, je suis chez mes grands-parents, faut que je vois. Mais voilà, en attendant, elles sont ici. J'ai aucune idée d'où elles viennent. Enfin, elles, si, on l'a acheté dans un magasin genre ville et tout, un magasin indépendant. Mais les noires, je sais pas, c'est dans la famille depuis longtemps. Donc voilà. Là, c'est mes affaires de sport. On a ma ceinture avec mes bidons d'eau. Et ma cold sauté. Pourquoi elles sont là? Parce que j'ai la flamme qui vient dans le garage. Mon tapis gentil action de sport qui est super. Je vous recommande. Après, il a la mémoire de forme, donc c'est un peu chiant. Mon tabouret qui vient de chez Ikea. Je me rappelle plus la référence, je la mettrai sur l'écran. En fait, on a coupé les bouts, les pieds, voilà, parce que sinon il était trop haut par rapport à mon bureau. Donc voilà, c'est tout fait sur mesure par papa. Ça aussi c'est Ikea et ça je me rappelle c'est Alex, mais les dimensions je n'ai aucune idée, encore une fois je vous mettrai sur l'écran. Mais c'est le petit, enfin il n'y a que 5 tiroirs et je crois qu'il y en a un autre où il y en a 7, un truc comme ça, je vous montrerai après. Et sinon en haut de mon bureau, voilà comment ça se présente. Ici c'est un peu genre les trucs que j'utilise souvent et du coup j'y mets à porter, mais sinon c'est tout rangé dans des placards. Là mon miroir que j'utilisais pour l'internat était vachement pratique, surtout que derrière c'est grossissant et il faut définitivement que je le nettoie, c'est un peu
peu gênant. Je vais probablement le prendre pour chez mes grands-parents. Là, c'est une carte qu'on m'a offerte pour mes 16 ans qui est super jolie. Pour les poissons. Une plante de action que j'ai vraiment depuis que j'ai 9 ans. Genre, elle est toujours... Enfin, elle est pas vivante, c'est une fausse, mais elle est toujours là. Un coquillage qu'on m'a ramené de vacances que je trouvais raccord avec ma chambre et j'aimais beaucoup les couleurs. Du coup, je le mets là, mais derrière, c'est pas très beau. Mais en fait, au départ, je me disais, tu sais, j'allais faire comme les meufs Pinterest, genre le mettre comme ça et mettre des bijoux dedans. Sauf qu'en fait, c'est derrière que c'est beau, dedans, c'est pas ouf. Du coup, je le mets comme ça. Et là, une petite... truc en bois avec mon prénom, la signification, tout ça. Ensuite, mon étagère qui vient de chez Ikea et c'est lac. On a fixé au mur, voilà, juste au-dessus pour avoir un peu de la déco, pour pas que ça soit trop vide en fait. Cette plante, elle vient de chez Ikea aussi et je l'ai choisie parce que en fait la couleur est très claire. La plupart des plantes Ikea, elles sont foncées et elle, je trouve qu'elle allait bien avec les tons rose, beige et tout. Du coup, voilà, je l'ai mise là. Après le pot, je suis d'accord, c'est pas ouf, j'aurais pu faire des efforts. Là, alors attends, faut que je... Mon diplôme du brevet mention très bien slay. Une plante aussi qui vient de faire action. C'est en forme d'ampoule et normalement, quand t'appuyais là, ça s'allumait parce qu'il y a une ampoule ici. Mais évidemment, ça fait tellement de temps que je l'ai que elle ne s'allume plus. Mais Dico, mini Dico, ça c'est trop pratique. Et là, un cadre que j'ai depuis... Je sais même pas si j'étais encore au collège quand je l'avais. Qui vient de chez Ikea aussi. Le cadre et l'image. Ensuite, ici, alors le tableau, il vient de chez Action. Cette lampe, pareil, ça fait une éternité que je l'ai. Elle vient de chez Conforama. Conforama, Castorama. Castorama, je crois. Là, mes petits pots de stylos qui m'ont tous les deux été offerts. Il y en a un qui est vraiment trop joli. Et lui, en fait, c'est une tasse qu'on m'a offerte. Et en fait, derrière, il y a un chat. J'aime juste la couleur et la forme. Du coup, je retourne. C'est pas grave, il y a que moi qui le sais. Enfin, du coup, maintenant, vous le saurez. Mais... Et du coup, ici, alors, dans ce premier tiroir, c'est... un peu le bazar. Voilà, là il y a des feuilles de brouillon, là il y a mes lunettes de soleil, là mes lunettes de vue. Là c'est tout ce qui est ordinateur, chargeur, batterie, etc. Là il y a mon disque dur, là il y a mon trépied. Ici, là il y a mes câbles de caméra et chargeur de caméra. Et en fait c'est censé être là, sauf que l'étui il est trop gros. Donc faudra que je change de tiroir. Mais en attendant c'est toutes mes affaires de cours vides, du coup classeur, cahier, etc. Là c'est aussi des affaires de cours, mais c'est ce que j'ai acheté en fait qu'il faut que je déballe du coup parce que c'est bientôt la rentrée. Et tout en bas, ça c'est mon tiroir préféré, c'est toute ma réserve. J'aime beaucoup en fait comment c'est organisé, bon là pas trop, mais avec des petits bacs et tout. Donc mes post-it, mon blanc, là c'est des feutres, là des stylos, les feutres ils sont sous avec la grave, la colle. Après mon bureau, on a ma fenêtre. Les rideaux étaient déjà là, donc j'ai aucune idée d'où ils viennent. Et ensuite, voilà une des parties préférées de ma chambre, ma bibliothèque. Ici, on a mon pouf. C'est un bac de rangement, en gros. J'ai aucune idée d'où il vient. Et en fait, j'utilise, oui, parce que je m'assois jamais dessus, mais c'est juste pour ranger. Genre, j'ai mes plaids et j'ai des peluches. Et ma bibliothèque, du coup, c'est trois meubles Billy. Voilà. Je vous ai fait un bookshelf tour. Donc je vais pas tout vous montrer mes livres, mais voilà c'est 3 Billy et je pense prendre un quatrième, mais en fait je sais pas si ça va rentrer là. Faut que je mesure, mais voilà, en attendant on en a 3 et c'est déjà pas mal. Après ma bibliothèque, mon mur, je vais pas tout vous montrer parce que il y a des personnes de ma famille dessus. Et du coup mon affiche de la carte des maraudeurs de Harry Potter, je l'ai acheté dans une boutique à Saint-Malo et on peut en trouver partout. Mon lit, hein, une place, ouhou, qui vient, alors je sais plus si c'est Conforama ou But, mais il est vraiment bien parce que bah, déjà j'aime beaucoup la couleur. Et ensuite il y a un tiroir en dessous, donc j'ai jamais eu peur qu'il y ait des monstres sous mon lit en fait, puisque bah, il n'y avait pas la place pour eux. Et du coup dedans c'est à peu près rangé, j'ai des jeux de société dont je me sers plus. Mon piano, là c'est une bannière Harry Potter que je vais sûrement amener chez mes grands-parents. C'est vachement pratique pour ranger pas mal de trucs. Ma couette, j'ai aucune idée, je crois que c'est Ikea. Ici, les tables de chevet. Ikea encore une fois, mais sponsorisez-moi wesh. Avec cette lampe, aucune idée d'où elle vient. Ce cahier qu'on m'a fait, si vous avez vu mon dernier vlog à l'internat, c'est mes copines qui me l'ont fait comme je pars l'année prochaine. L'idée de Lise-Marie est non. Bon, il y a un peu du truc derrière, mais d'accord. Ouais, parce qu'en fait, on a fait un peu n'importe. Cette petite bougie absolument magnifique qui sent bon en plus, c'est chez Ikea que j'ai déjà bien utilisé cet hiver. Ici, alors c'est les livres. Ouais.
ça m'avait peur, Siri qui s'est déclenchée. C'est un livre que mon grand-père m'a passé sur le cinéma, enfin filmé, la Bible, des livres beaux pour décorer, je les ai absolument pas lus, des bougies qu'on a achetées à un marché des producteurs je crois, et en vrai ça sent bon donc c'est sympa. Et dans cette boîte qui est vachement pratique, on a mes écouteurs et tout ce qu'il y a pour annoter. Je compte vous faire un réel sur Instagram où je vous explique comment j'annote, etc. Donc restez connectés. Et en bas, on a la toile que j'ai peinte dans l'épisode 1 des Summer Diaries. Si vous l'avez vu, vous savez pourquoi j'en ai mis deux là. Et là, c'est mes cahiers de journaling, planning et mon reading journal. Move on, on a mon dressing. Mais je vais vous montrer vite fait du coup. C'est alors en bas, en haut, c'est pas trop, c'est pas aussi mal organisé qu'on dirait. Mais du coup là c'est mes sacs à dos, là c'est ma boîte à souvenirs, donc les lettres, les trucs, les tatati, les tickets, les tout est là-dedans. Une autre boîte à souvenirs et une boîte à vernis, ma peinture, là c'est des bracelets brésiliens dans cette boîte. Là je sais pas du tout, là non plus c'est ma boîte, mon pack pour ma caméra et je sais plus ce que j'ai mis dedans. Et là c'est mes vêtements d'hiver que je mets ici en attendant pour les ceux d'été. Donc ici mes t-shirts, mes t-shirts de pyjama, mes hauts, mes débardeurs, mes casquettes. Là c'est les vêtements du SNU. Ah là là, mes shorts et en dessous mes jeans. Mes shorts en tissu et derrière il y a mes jogging. Et là c'est tous mes pulls. En fait c'est mes sweats et quelques pulls, parce que les pulls les plus chauds du coup je les ai mis là parce que j'allais pas les mettre. Ensuite ma penderie, mes chemises, poula, mes gilets, mes blazers ici. Là c'est des t-shirts, bah j'ai mon t-shirt du SNU et mon t-shirt que j'avais signé à la fin de mon collège. Une jupe, une robe de soirée. En dessous mes haltères. Je les mets là parce qu'au début je les mettais ici et une fois elles sont tombées et elles ont failli s'écraser sur mon pied, donc du coup je les mets par terre. Et ma panière de linge sale. Et ici c'est un peu plus le bordel. Du coup de ce côté on a tous mes pulls chauds pour l'hiver, tous mes manteaux plus ou moins, en fait j'ai pas assez de place, du coup j'en mets deux sur un cintre. C'est du moins chaud au plus chaud. Dans ce bac il y a des cintres, et gros sac de voyage, mes draps et un autre sac de voyage qui n'est pas là je crois, les jupes et mes robes d'été. En fait j'ai pas de robes d'hiver donc je sais pas pourquoi je dis d'été, mais dans ce bac on a mes collants, mes maillots de bain, mes chaussettes en pilou pilou, des bandanas. En fait c'est un peu un bac de tout et rien, mais comme il est en haut c'est un peu compliqué, je dois le mettre en bas pour pouvoir fouiller. Mes hauts de sport, donc t-shirt, là c'est les manches longues, et en bas on a mon bandeau, mes bas de sport, donc mes shorts et mes leggings. Derrière on a tous mes sacs à main que je mets le plus souvent. Et ceux que je porte pas, du coup je les mets dans mes sacs de voyage, comme ça ils prennent pas de place. Ma serviette de bain. Là c'est tous les vêtements que j'ai sur mon Vinted. Allez les prendre, vous me ferez de la place, merci. Voilà pour le dressing. Et enfin ici on a un meuble Ikea. Encore une fois on change pas. On a du carton qu'il faut que je brûle. En fait je m'en suis servi pour faire des pancartes et c'est les chutes. Là c'est ce qu'il faut que j'amène chez mes grands-parents, donc ma poubelle. Et ça c'est un organisateur de bureau que j'ai trouvé à Action, qui est trop cute. Regardez moi ces petites fleurs, j'aime beaucoup. Là c'est des classeurs et je peux même pas tout vous montrer sinon ça va tomber. Là c'est mes cours. Ce qui me reste de mes cours des années précédentes, genre j'ai des cours de 6ème, c'est un peu abusé. Ici mon classeur de philo que mon papa m'a ramené, que enfin c'est ses classeurs en fait. Ici feuilles. Ah non c'est des pochettes plastiques. Mon lisseur, on va mettre ça en attendant. Ça vient de chez Ikea et j'en ai pris 4. Les feuilles de couleur et là-dedans c'est tous les papiers administratifs. Pas très intéressant. Ici d'autres classeurs. Wouhou. Ça c'est pour le bac de français. Ça va être histoire, géo, tout ça. Et ça j'ai pas encore décidé, mais en attendant j'ai mis tous mes intercalaires. Ici alors c'est tout vide, donc c'est des cahiers, des grands cahiers vides, des porte-vues vides. Ici c'est tous les manuels, donc on a brevet facile maths, là aussi brevet facile, là c'est des cahiers d'anglais, et ça voilà maths 4ème, on se demande dans quelle matière je galérerai. Et les derniers c'est encore des trucs vides, c'est que des porte-vues vides, donc je vais sûrement les utiliser parce qu'en vrai j'aime beaucoup les couleurs, c'est cute.
Et dans les bacs qui viennent aussi de chez Ikea, c'est le bordel. En fait, c'est là le cache-misère. Ça va, là, c'est tout rangé dans des boîtes, mais du coup, là, c'est des boîtes. J'ai une boîte de boîtes. Là-dedans, il y a mes précédentes lunettes. Là, c'est des bijoux que je mets pas souvent. Et de l'autre côté, c'est un peu le bazar. Mais pendant un moment, c'était rangé. Mais donc, mes trousses de toilette. Là, c'est un câble que Ambre a oublié quand elle est venue chez moi, la cassasse. Et tous mes journaux. Donc, depuis, c'est deux. Je vais regarder. Lui, c'est le dernier. Donc voilà, tous mes cahiers de journaling. Celui-là et celui-là. Là, on a le compte de tous mes journaux. Peut-être aller voir un psy. Non, on fait du journaling avec Elsa. Et après, sinon, le reste, c'est d'autres trousses de toilette, des trousses. Ça, c'est une pochette qu'une de mes tantes m'a offerte pour Noël, fait pour mettre des livres dedans et les protéger. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que je vous ai donné une inspiration pour votre chambre ou je sais pas pour la raison pour laquelle vous regardez cette vidéo. Si j'oublie des références ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander en commentaire ou en DM Insta. Je suis toujours disponible. Je vous retrouve tous les dimanches à 14h sur ma chaîne.